fille une œuvre d'amour. Eût-il est béni jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent sans lieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, ce matin encore, c'est un devoir pour chacun de nous de rendre à Dieu le culte auquel il a droit, puisqu'il est notre Créateur, puisqu'il est notre Sauveur. En effet, Jésus nous donne un travail d'amour, bon et béni jusqu'à sa venue. Ce noble devoir, nous devons le faire pour lui, sans le décevoir, sans jamais nous taire. Ainsi, nous allons commencer le service du jour en chantant les paroles du cantique que nous retrouvons au numéro 144 de la section française des Chants d'Espérance. Qu'il fait bon à ton service, Jésus, mon Sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal, garde-moi. Thank you.
Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu, par la prière. Prions Dieu. Ô tendre Père céleste, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce et nous te louerons pour ton amour infini et ta fidélité incomparable. Tu es le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Bien plus, ô tendre Père céleste, tu nous as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver de nos péchés et nous ouvrir les portes de ton royaume éternel. Tu nous as donné ton Saint-Esprit, le Consolateur. Il nous guide, il nous fortifie et il nous sanctifie. Ce matin encore, nous te prions, bon Père, de répandre ton Saint-Esprit sur chacun de tes enfants, afin qu'il nous éclaire, qu'il nous inspire et nous anime. Nous te prions aussi de nous aider à marcher avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin, et cela en imitant ton Fils Jésus-Christ, notre Maître et notre modèle. Qu'il soit le centre de notre vie, le sens de notre existence et la source de notre espérance. Toutes ces grâces, nous les réclamons au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Nous allons lire alternativement le psaume 19 avec notre bien-aimé frère Rokenson Sessan et la sœur Jokayel Sessan. Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Celebrate.
La seconde lecture de la parole de Dieu se trouve dans la seconde lettre que l'apôtre Paul a adressée à Timothée. 2 Timothée, le chapitre 2, du verset 1er au verset 13. Et cette lecture va être faite par notre bien-aimé frère Oscar Charles. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi de la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le réunions, lui aussi nous réunira. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Parole du Seigneur. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à la grande prière qui sera faite par le pasteur Wisner Séraphin, nous allons chanter en langue française les paroles du cantique au numéro 78, alors qu'une assemblée en ligne chantera en langue étrangère. Saisis ma main craintive et conduis-moi. Fais que toujours je vive plus près de toi. Sans toi, mon tendre Père, pour me guider, je ne sais sur la terre comment marcher. Quand la nuit la plus noire te voilerait, ton bras puissant jusqu'à la gloire me porterait. Saisis ma main craintive et conduis-moi. Fais que toujours je vive plus près de toi. Chantons ensemble.
invoquer le nom du Seigneur par la prière. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, mais nous devons trop nous matin pour nous adorer, pour nous saluer majesté et exalter fidélité. Nous comptons, Seigneur, de ce que nous avons présent sous. Nous tant que nous chéris, nous tant que nous apprécions, parce que parole nous dit nous, heureux celui que tu admets en ta présence. Présence sourde, il fait la joie que nous, et nous voulons crier avec l'auteur de ce cantique. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur, dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Matin, Seigneur, ouvrez-nous pour que nous soyons capables de rentrer dans une relation avec vous. Nous sommes présents au Seigneur et nous voulons lever nos bien haut. Nous voulons dire merci, matin, pour le privilège qu'on accorde nous de ce que nous avons couché hier soir. Nous ne connaissons pas combien de dangers que nous t'ai exposés. Mais ça qui est certain, c'est que on produit en nous le miracle du réveil. Nous t'ai dormi avec la pensée de l'éternité et nous réveillés avec nos chants d'espérance. Merci, mon Dieu, de ce que vous mettez dans nos matins, la soif pour nous adorer, la soif pour nous communier avec vous-même. Merci, ô notre Dieu, pour que la semaine écoulée. Au cours de cette semaine, vous ne pouvez pas permettre que nous soyons capables de faire l'achoppement pour personne, ni personne. C'est une pierre d'achoppement pour nous-mêmes. Tandis que nous n'appuyons au Seigneur, nous voulons déposer fardeau nous, peine nous, angoisse nous. Ou même qui fait à nous cette invitation, ou dit nous venir à vous si nous sentons fatigués et chargés, et on va pas nous repos. Gagnez, Seigneur, qui n'a mis en nous, qui confronté à pas mal de difficultés, bien pile, qui a des difficultés financières, gagnez, qui a des problèmes de maladie, gagnez, qui a des problèmes de famille. Nous prions capables de visiter au matin, qu'on capable de rencontrer un besoin, et que non, capable de glorifier dans la vie. Ou qu'on est, Seigneur, qui côté nous y est dans marche nous avec nous-mêmes. Même Jean Salmis l'a dit, nous voulons demander au matin pour sonder nous. Et pour garder pour elle si nous sommes mauvais route. Et conduis-nous, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Ou qu'on faiblesse nous. Et plusieurs fois nous tomber dans la route. Plusieurs fois nous désobéis à cause des circonstances de la vie. Nous laissons nous préoccuper par ce qui a passé en nous. Ça permet que souvent, il y ait de mauvaises paroles qui tombent de lèvres nous. Ou des déficiences qui est dans la vie nous. Et matin, Seigneur, nous lui demandons pardon. En pile douleur que nous expérimentons dans la vie, nous, souvent, c'est à cause de péché, nous.
Délivrez-nous, Seigneur, de problèmes sérieux et que nous ne pas retourner quand vous êtes délivrés, nous. Nous voulons mener, Seigneur, une vie de sanctification, que lumière capable de pénétrer en nous et qu'en nous-mêmes, toute bagaille capable de purifier. Que nous apprenons matière à obéir à voir, que nous capables de servir avec zèle et que toute vie nous capable conforme à nous-mêmes. Nous prions, Seigneur, pour malades nous, mieux que nous connaissons, nous demandons pour bailler au matin toucher salutaire, car il y a un qui a souffri non seulement le corps, mais qui a souffri dans l'âme tout. Nous voulons, Seigneur, vivre une vie de santé, une vie de qualité, afin que nous soyons capables de servir et que nous soyons capables de glorifier. Nous voulons prier, Seigneur, maintenant, pour tout ça qui a travaillé pour avancement au royaume. Nous prions pour tous ces hommes de Dieu qui vont aller de lieu en lieu pour clamer le message du salut. Et parfois, dans des endroits, côté même la vie est exposée. Nous prions que cet esprit accompagne et que le message, il va venir pour délivrer. Il est capable de tomber de la bonne terre et produire des fruits dignes de repentance. Nous prions maintenant pour le ministère de Tidielaï dans la communauté côté au Brasil, côté la vie pour lui. Merci au notre Dieu pour les différents ministères qui a exercé dans l'église ça. Qu'on est capable de soutenir afin qu'on soit capable d'aller de l'avant pour l'épanouissement spirituel de tes enfants. Nous prions maintenant pour le pasteur, le ministère ça, le pasteur Dormé, pour Famini. Et nous prions notre Dieu pour le ministère ça qu'on confie. Bali, Seigneur, vision que le besoin, qui pour éclairer, qui pour guider, afin qu'on soit capable de mener le peuple au bon port. Nous prions pour tout collaborateur média et immédiat que le gagne. Nous prions pour toute activité de l'église là. Va gagner pour l'entreprendre. Que le message de ta parole capable de continuer à proclamer avec force par le bien de cette église. Seigneur, maintenant, nous prions pour tous les pays de la terre. Ça y est qui est en guerre et qui a préparé pour aller en guerre. Ou même seul, notre Dieu, qui est capable de porter le mot de la paix à un monde en détresse. Nous prions maintenant pour Israël et pour tous les pays du Moyen-Orient. Nous prions pour les États-Unis et nous prions d'une façon spéciale pour notre cher pays Haïti. Seigneur, maintenant, lorsque va arriver le moment pour parler avec nous, fais que Seigneur, par-delà de la préparation de ton serviteur, par-delà des dispositions, et que cet esprit capable de saisir, et que parole qu'il va communiquer à nous-mêmes, capable de une place dans le cœur nous. Nous remettons nos mains au Seigneur, que cet esprit capable de faire au-delà même de mérite nous, au-delà même de ça que nous demandons, parce que nous prions dans le seul nom précieux de tout Jésus-Christ, les mêmes qui vivent et qui a prié au siècle des siècles. Amen. Oh,
Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, une chorale en ligne va devoir interpréter pour notre édification les paroles du cantique « En avant, marchons ». Ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu qui permette que nous soyons capables de réveiller encore une fois du sommeil dans lequel nous avons été plongés. Et c'est toujours un devoir pour chacun de nous pour que nous retrouvions au pied béni du Maître et de faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. Nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs, quel que soit côté, nous retrouver nos matins, et que nous gagnons possibilité pour que nous rejoignions d'autres frères et d'autres sœurs qui ensemble avec nous sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island. Nous espérons que le Seigneur va jeter sur chacun de nous ses plus grandes grâces et ses plus riches bénédictions. Nous saluons tous les visiteurs, c'est là qui c'est pour la première fois que nous ensemble avec nous. Nous espérons que c'est pas pour la dernière fois également et que le Seigneur capable de joindre un message pour partager avec chacun de nos matins. Comme nous connaissons de lundi à jeudi, nous toujours ensemble avec nos frères et sœurs de famille pour Christ. Donc nous avons encouragé nous toujours. Retrouvez-nous ensemble avec vous pour nous capables de nourrir nous de l'Évangile. Et vendredi, Dieu voulant, si le Seigneur tarde à venir et s'il bat nos possibilités, si sentez-nous au beau fixe, nous espérons capables de continuer avec l'étude de la parole de Dieu que nous avons enseignée il y a déjà longtemps en ce qui concerne la lettre que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Galate. Et frères et sœurs bien-aimés, c'est notre devoir de prier les uns pour les autres. Prier pour les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. C'est là eux qui en voyage et qui matin t'a ensemble avec nous et qui malheureusement obligé déplacer. Prier pour que le Seigneur qui a ramené à la maison
très prochainement. Priez pour ceux-là qui pas porté au bien dans le temple du corps, pour que le Seigneur capable bayon toucher salutaire. Priez pour les familles endeuillées et ceux-là qui perdu ont être cher et qui besoin la consolation du Seigneur pour que yo capable continuer à vivre. Et priez pour les peuples de la terre, Haïti, Israël et les États-Unis. En ce qui concerne Israël, nous connaissons qui s'est passé derrière au Moyen-Orient. Donc, on nous remet toute bagaille dans mes bon Dieu et lui-même, il va faire le nécessaire. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous allons nous préparer pour entendre le message de la parole de Dieu qui sera présenté par son serviteur, le pasteur James Lagou. Et pour ce faire, nous allons devoir entonner les paroles d'un cantique avec notre bien-aimée sœur Marie Bozil, le 111 de la section créole des Chants d'Espérance, en nos travaux pour le Seigneur avant soleil la coucher. En nous travaille pour le Seigneur avant soleil la coucher, pour annoncer bonne nouvelle et tout partout. Et le Jésus va tourner pour chercher tout fidèle. Les appels la fête dans le ciel, la nouvelle. Les appels, la fête dans le ciel. Les appels, la fête dans le ciel. Les appels, la fête dans le ciel. Les appels, la fête. Dans le ciel, là, nous voilà. Nous pas gain pour nous décourager mal que chemin difficile. Et tristesse pas faire nous marcher tête en bas. Toutefois, n'appétant le Seigneur qui va paraître dans l'air. Les appels, la fête, dans le ciel, là, nous, voilà. Les appels, la fête, dans le ciel, là. Les appels, la fête, dans le ciel, là. Les appels, la fête, dans le ciel, là. Les appels va faire dans le ciel là nous voilà. Gagne un pile mouton qui perdu qui égaré dans péché. Yo pas connaît si nous gagnons bon berger. On nous cherche yo pour Jésus faire yo. Entrez dans Pâques là, les appels la fête, dans le ciel là nous doués là. Les appels, pas fête dans le ciel là. Les appels, la fête dans le ciel là. Les appels, la fête. Dans le ciel, les appels, la fête, dans le ciel, nous voilà. Maintenant, nous avons une possibilité pour nous détendre des lectures de la parole de Dieu par le biais de notre frère Oscar, qui était dit pour nous dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2. À partir du verset 1er, pour arriver dans verset 13. Mais dans verset 1er, Paul
adressé à Timothée pour dire « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Définitivement, Paul lui voyait en première lettre, mais deuxième lettre, là, lui paraît une lettre que certains commentateurs capables de considérer comme un testament. C'est un coup que son lettre, Timothée t'a loué qu'un bénamel, 6 ans cas, malais pas mal, n'est pas attendu Paul encore. Parce que, entre les mains de l'ennemi, dans des situations de difficulté que Paul qu'on trouvait déjà, arrestation, bastonnade, en péril, mais fois ça, capable ces derniers moments. Bien que situation, Paul, très difficile, ça n'a pas empêché que, malgré bagaille terrible, Paul a un mot d'espoir, un mot de réconfort. Pendant Paul, dans toute situation difficile, lui, il a assez de courage, assez de force pour le dire Timothée, toi donc, mon enfant. Alors, pour le monde qui n'est pas habitué avec Paul, il est capable de dire, mais qui l'élève à faire Timoun ça? Qui l'élève petit ça? Oui, c'est vrai, frères et sœurs dans le Seigneur, que Timothée, ce n'est pas le fils biologique de l'apôtre Paul. C'est pas petit lit, c'est pas petit qui sortit dans un trahili. Mais Paul considérait Timothée comme petit lit dans la foi. Et en tant que père spirituel, lui jouait un gros rôle dans la vie de Timothée. Nous réaliser que, frères et sœurs dans le Seigneur, même si dans le ministère nous souffrons, même s'il y a beaucoup de situations difficiles, mais bon Dieu toujours mettait mon sous route nous pour consoler. D'ailleurs, ceux qui servent le Seigneur, ils n'ont pas capable de dire, bon Dieu, pas qu'on mette bon côté, des sœurs, des frères, des pères, des amis, des compagnons de ministère. Bien-aimé, pas bon menti. Pas quoi dans le monde qui brale, rentrer le monde dans le sein, rentrer le monde dans le conseil, rentrer le monde dans l'équipe. Pas quoi le monde qui brale des monde pour qu'ils vont pas avec. Même quoi que le Seigneur a qu'on mette moun sous route moun. Bon Dieu qu'on mette moun bon côté moun. Bon Dieu qu'on ban nous des compagnons de genoux. Bon Dieu qu'on ban nous des papas, des mamans. Et l'homme dit ça, c'est pas moun qui va le vin, vous dites c'est maman, on dit c'est papa, et puis il réclame un droit d'autorité sous vous, on doit paternel, on doit maternel. Non, loin de là. Mais c'est celle de moun qui, à travers leur rôle, à travers les gens qui ont fonctionné avec eux, ou senti, ou ouais, ou découvrir leur vie, yo prier, yo intercéder, yo prendre genou, yo passer des heures de prière, puis a invoqué grâce mon Dieu pour vous. Mon sa yo joué un rôle capital dans vie. Timothée, toi donc mon enfant, et vous réalisez que Paul va adresser à tout le monde, mais toi donc mon enfant, ou même avant même Timothée, ma femme. L'autre monde ne doit pas comprendre ce qui a passé, mais nous-mêmes, nous pouvons comprendre. L'autre monde ne doit pas participer de loin, bien sûr, avec souffrance que pas enduré, mais nous connaissons ça affecté. Le monde, bon côté, lorsque l'a subi, lorsque l'a souffri, lorsque l'a enduré des moments durs, des périodes qui sont difficiles dans la vie, même si vous n'êtes pas là, même si vous n'êtes pas présent, nous sentons l'enchère. Peut-être ça m'a dit, hein, il est capable de paraître drôle. Comment faire un monde à souffrir et puis l'autre à souffrir avec elle? Comment faire un monde en douleur, un monde en douleur à tout? Quelques semaines de cela, quelques jours de cela, bien sûr, moi, j'ai essayé d'expliquer que ces derniers temps, il y a des gens qui disent, moi-même, moi, pas souffrir à mon enfant. Alors, il y a des gens qui disent, s'il faut le faire, le refaire, je ne vais pas faire encore. Mais il y a des gens qui disent, moi-même, pas souffrir à mon enfant. Moi-même, à partir d'expérience, se passer, moi-même, je vais pas souffrir à mon enfant. On continue de souffrir avec mon enfant, puis qu'on va à la marche, puis qu'on va à la gueule, et virer de l'aller. Mais il y a des gens qui souffrent avec nous jusqu'au bout. Je prends douleur, je prends un moment difficile,
yo pren moment de déboire, yo pren moment de vicissitude, yo passe époque, yo passe période, yo passe moment, yo dis, ah, ça c'est très misère, ça c'est très misère, ça est monde qui passe, c'est monde qui endure avec. L'apôtre Paul dit, Timothée 3, donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Et côté nous, il y a une force, là, côté nous, il y a une capacité à aller dans mon Dieu. Alors, des mouns qui amourent avec un mouel, il y a une force, il y a l'espoir, mais l'espoir qui n'est pas permis, mais l'espoir que aucun vivant côté pour désespoir. Mais toi, donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Renforce-toi, ramasse énergie, pas décourager, pas quitter bagaille pour toi, aller. T'aimer là, persévérer, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Non, pas ça et ça, on a découvert que Paul en difficulté, mais parole n'est pas parole, monde qui est en difficulté. Paul, et subit en pile bagaille dans la ville, mais dans un moment, ou pas découvrir Paul qui est amer, ou pas découvrir Paul qui a boué Tito, il a boué point. Non. Au contraire, dans le temps problème, non. Paul a encouragé Timothée, mon fils de la foi, mon enfant, fortifie-toi, et puis sors même des boyaux, pas quitter situation fort découragée, mais continuer à me présenter. Soit en train de me débattre devant tout le monde, ou même continuer à partager, continuer à transmettre, faire le relais, mettre le baroule, ou même passer l'autre monde. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles et qui soient capables. Je veux toujours souligner pour étudiants que 2 Timothée chapitre 2, verset 2, l'apôtre Paul mettait accent en tout premier lieu, au prime abord, sur la fidélité bien avant la capacité. Il y a les deux pères, mais avant de penser à la capacité, il mettait accent sur la fidélité. Fidélité scripturaire, fidélité envers la parole de Dieu. Oui, la capacité, nous aimons ça, nous besoin ça, nous exiger ça, que tu sois capable de faire certaines choses. Et faut des capacités, faut former pour faire bagaille. Faut faire au bien, faut faire pour mon Dieu qu'après plaisir, faut faire au bien pour être capable de tendre son bien sonner à bien à l'oreille. L'on fait louer son monde qui a une exactitude, qui a une aptitude, son monde qui exerce, son monde qui est capable. Oui, c'est très bien. Mais l'apôtre Paul insistait en tout premier lieu, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. La fidélité d'abord. La fidélité d'abord. Ce que tu as entendu de moi, pas bah, les potes mouni. Il va dire que bah, moun qui a capacité, qui n'a pas fidélité. Non. Non seulement vous voulez moun n'a pas capacité, mais en tout premier lieu, à des hommes fidèles. Parce que j'ai un pile moun qui t'a accompagné l'apôtre Paul, et qui est son pensée qui bah, il a retard? Qui est son pensée qui bah, il a problème? Non? Qui est son pensée qui bah, il a été chargé? Les hommes qui accompagnaient l'apôtre Paul. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, dans le livre de Corinthiens, j'étais en péril parmi les faux frères. Moun qui avait, moun qui a marché avec, moun qui a pris avec. Oui, yo même qui tournait le problème. Yo même qui source de découragement. Vos potoris vous disent, ah non, à quoi bon? Non, mais tout, mais pas ça. Parce que, pour j'aime qu'on aime boumer, pour j'aime qu'on aime lutter. Un compagnon ont besoin de nous. Yon soldat qui bon côté, qui t'a supposé à tirer sur ennemi et puis sous qui est-ce qui est-ce sous moi. Prendre des fards? Non, pas capable. Et puis, l'apôtre Paul a dit non, et pas seulement chercher capacité, mais confier à des hommes fidèles, des hommes qui étaient attachés à la cette doctrine, des hommes qui, d'accord, pour dire jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, des hommes fidèles, qui soient capables. Mais dans verset 3, l'apôtre Paul dit, souffre avec moi, comme un bon soldat. Bien-aimé, la vie d'un serviteur ou d'une servante de Dieu n'est pas une vie facile. Soudain, dans le monde où toute bagaille est facile, toute bagaille va bien, oui, c'est vrai, dans la foi, dans l'espoir, dans la croyance, nous croyons dans mon Dieu, même les bagailles difficiles, nous disons toute bagaille va bien, la caille papa, moins gagne joie.
peine, nous devons parler, ça veut dire, on langage de vérité. Non, chemin, quand on crié, non, chemin, quand on l'eau dans les yeux, non, chemin, quand on rêve. Nous pas bailler nous mentir. Nous pas bailler venir paraître là, et puis, pour nous faire comprendre que, des fois, santé a pas qu'une chancelante. Nous pas venir camper là pour nous dire que, bagaille rose, tout va bien chez madame la marquise. Non. Nous pas faire ça. C'est pour nous gagner de courage, pour nous présenter devant le peuple, pour nous dire, oui, des fois, bagaille est difficile. Oui, des fois, que nous crions. Oui, des fois, nous gagnons dans eux. Oui, des fois, ça nous espère et pas ça nous joue. Oui, des fois, dans le ministère, nous recevons des tirs, des frappes, des coups de poignard. Pas des coups de pique. Et des fois, nous recevons. Mais l'apôtre Paul dit, Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Oh, c'est vrai que Timothée n'est pas dans la prison, hein. C'est vrai que Timothée n'est pas dans le chenant. Mais psychologiquement, moralement, mentalement, il y a des gens qui passent une épreuve, qui passent une situation, qui passent une difficulté, même lorsqu'on n'est pas même côté à nous, donc sensible. Je vais juste prendre un exemple très simple. Combien lorsque il y aurait un jeune garçon de 41 ans qui tombait, qui mourit sur scène à Paris, même si les gens disent, ah non, le type n'est pas chrétien. Mais hommes, c'est pas question de chrétien. La mort d'un homme, la mort d'une personne, la mort d'un frère, la mort d'un compatriote, c'est la mort de tout. Même si il n'est pas chrétien. Parce que c'est une question d'être humain qu'on parle. C'est un human being. So, 41 ans, en plein spectacle, et puis il tombait. Imaginez que c'est à vous-même, qui t'a un maman, qui t'a une situation comme ça. Imaginez que c'est ton papa. Imaginez que c'est ton petit frère. Ça t'a frappé jusqu'aux os. Ça veut dire que, bien des bagailles, il pas frappé physiquement, l'autre, c'est pas vous-même, personnellement, qui est victime, non. Mais le fait que le frappe l'autre monde, ça frappe. Le fait que, surtout si moun sa, son moun qui connecté à ver. Par exemple, lien qui gagne entre Paul et Timothée, lève Paul dans difficulté, même si Timothée pas la donne, mais Timothée sorti. Mais, ça n'a pas dit que pour Paul vous un message de découragement, mais Paul dit Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat. Bien aimé dans le Seigneur, matin, malgré les vicissitudes de la vie, nous pas pour nous décourager. Et au contraire, au lieu pour nous dire ou décourager, même si il y a des brimades, même si il y a des problèmes, nous disons, travaillons. Travaillons. Nous pas camper dans la route. Continuons à travailler pour notre Seigneur. Car il n'est de soldat. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pas qu'à camper dans la route. Même si bagaille est difficile, même si bagaille est dur, continuez de travailler. Continuez pour nous capables de travailler pour le Seigneur. Parce que travaillons-nous dans le Seigneur pas qu'à vain. Ça va exister. Beaucoup de gens qui prennent des décisions pour servir mon Dieu, pour nous sentir honte. Il y a eu ta humilié, il y a eu ta déception. Bon Dieu, des capacités pour changer bagaille. Souvent, quand on voit monde qui chante Jésus vire bagaille, il y a quand même mouchoir dans mes yeux, il y a quand même serviette dans mes yeux. Oh, c'est pas bagaille qui vire, c'est serviette qui vire, mais bagaille pas comme vire. Parce que je n'ai pas mon intérêt à ton cantique et vous voir, mais ça a chanté là. Et ça a fait là. Au contraire, hier, on m'a parlé avec mon ami. Je t'avais expliqué, quand l'homme t'a le non-service, il dit même tout, ça t'est arrivé le tout. Et monsieur était bon Dieu faire grâce, ça va arriver le jeudi, et s'il souligne dans la pluie, et monsieur était que l'arrivée dans le service, que les achetés, que y'a pas moins, même lui, à travers chaque acheté, mais qu'est-ce qu'on a dit, mon y'a viré serviette, y'a dit Jésus viré bagaille, c'est serviette la vie, mais bagaille n'a pas viré, c'est mouchoir qui viré, mais bagaille n'a pas viré. Mais Mathieu, nous pas mal, bon slogan pour nous dire Jésus a viré bagaille là, non? Mais c'est bagaille nous-mêmes qui prenons qu'à travailler pour mon Dieu, nous sûrs, nous certains, même si l'homme a un problème, même si l'homme décourage, même si l'homme sorti pour désaxer, déboussoler, mais nous sommes confidents, nous sommes sûrs et certains que ça, bon Dieu dit, hein, l'a fait quand même. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, Timothée. Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail de chacun de nous autres, qui sommes sur la ligne. Bon Dieu pas oublié, bon Dieu connaît. C'est ça fait matin, hein.
nous lancer le message ça à tout le monde qui souligne, nous continuons de travailler. Nous continuons de chanter. Nous continuons de persévérer. Nous avons parlé avec nos amis qui sont professeurs. Lui dit après plusieurs temps, plusieurs mois, il fait les comme chrétien de travail qui hostile avec elle, que nous avons des problèmes avec elle. Et comme professeur, il campait sur la parole. Il continue à représenter mon Dieu dans l'école. Et il y a un monde qui te dit, il n'est pas de chrétien, il n'est pas d'accord avec chrétien, il n'est pas d'ancienne colère chrétien, il n'est pas toléré le monde qui a parlé de Jésus. Et même monde ça, il vit dans une situation côté que il demande le professeur, I want the Bible. Could you please buy a Bible for me? I will pay the money to get the Bible. Et Mounsa était tellement excited à propos de Mounsa qui m'a dit pour buy Bible. Il dit non, 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 I'm not going to take money from you. I'm going to buy it. I'm going to pay it for you because Mounsa est tellement content. I'm so happy you want a Bible. I'm not going to let you pay for the Bible. C'est pour montrer que travail nous yo, même si il y a des difficultés, même si il y a des moments dans le ministère là, nous crier, que nous disons, bon, c'est même pas de ministère, même pasteur, oh, preach pasteur, talk to them. Talk to them, pastor. Non, 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 non. Le ministère, ce n'est pas seulement une affaire officielle lorsque vous avez un titre, mais travailler pour Dieu dans n'importe quelle circonstance. Comme mère de famille, comme père de famille, continuez à intercéder, continuez la prière, continuez à prendre genoux, même si pour le moment, pas ouais solution, ou pas ouais comment bagala va changer, ou pas ouais comment bagala va transformer, mais souffre avec moi, Timothée, comme un bon soldat. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, nous voulons faire mon Dieu plaisir. Nous voulons pour mon Dieu prendre gloire dans sa affaire. Nous voulons pour mon Dieu glorifier à travers sa affaire. Nous voulons pour mon Dieu témoigner de travail que nous n'avons pas accompli. Oui, certes, mon Dieu ne doit pas comprendre. Certes, mon Dieu doit passer en lisible. Mon Dieu doit passer dans la décision. Mais souffre avec moi comme un bon soldat. Comme un bon soldat. Maintenant, si ou t'as senti ou envie découragé, ou est un coup c'est moun kap comblé dans mer à roche, ou du moins ou est un coup moun kap boté de l'eau dans panier, parce que, m'pap bon menti, parce que t'as la prière pour Haïti, gokot arrivé, ou qu'on demandait à quoi bon de prier pour notre chère patrie, on dirait plus que nous prier, c'est pi mal bagayovin, pi mal. Des fois, il y a des moun qui fait l'expérience à travers de pikitio, depuis que ma plat prière pour petit bonhomme n'a pas mon Dieu. Depuis que ma plat prière pour petit corps, mais à accepter Christ. Mon Dieu, est qu'on y a le même tête, la patinette. Il y a des fois, il y a des gens qui peuvent arriver dans une situation, et puis, ils disent, bon, ok, mon, jeter le ponge, il passe sous ça encore, il passe sous la prière encore, sous ça. Il prie, oui, mais il pas continué de prier pour même bagarre, là, parce que, bagarre, trop difficile. M'a soit l'église encore, trop problème, trop, ça en est trop. Mais matin, la parole de Dieu, à travers son serviteur, l'apôtre Paul, l'y adressait à Timothée. Et ce matin, Timothée n'est pas présent. Alors, on dit Timothée n'est pas présent. On parle, on me connaît, capable bon monde qui est le Timothée, qui souligne. Alors, on Timothée que nous attendez. Alors, si bon Timothée qui attendez, c'est pas grave, on m'adresser directement, mais, d'une manière, biblique, historique, oui, Paul s'adressait à un Timothée. Mais, ou bien doit parler les Timothée, mais le message là est pour vous. Ou bien doit pas Timothée dans la chair. C'est pas non légal, ça ou bien sous licence ou sous papier. Mais où sont Timothée que le Seigneur a décidé d'encourager à travers cette parole. Souffre avec moi comme un bon soldat. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, oublie plaire mon Dieu. Matthieu. Travaille, continue de travailler, luttez, pas baisser le bras. Bientôt, le Seigneur va venir. Que le Seigneur vous bénisse. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu bonne force. Que bon Dieu encourage pour nous continuer vers au-delà. La paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous remercions le Seigneur pour le message de sa parole. Et maintenant, mes frères, engageons-nous à chanter les paroles du cantique au numéro 211 de la section française des chants d'espérance. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur. Suivons l'étroit sentier qui conduit à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur. Il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser.
de notre Rédempteur, élevons la bannière. Fidèles jusqu'au bout, sachons persévérer, le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Thank you.
Maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons les fronts un instant et recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.